Pour exécuter une récupération système HP sous Windows 10, éteignez tout d'abord votre ordinateur. Débranchez tous les périphériques externes et les câbles branchés à votre ordinateur, à part le clavier, la souris, le cordon d'alimentation et l'écran, le cas échéant. Si nécessaire, allumez votre ordinateur et retirez tous les disques des unités multimédia. Éteignez ensuite votre ordinateur. Allumez votre ordinateur. Sous Windows, sélectionnez le bouton Démarrer. Saisissez HP Recovery Manager et sélectionnez-le dans les résultats. Si vous y êtes invité par un contrôle de compte utilisateur, sélectionnez Oui pour continuer. Sous Aide, sélectionnez Environnement de récupération Windows. Sélectionnez OK pour redémarrer dans l'environnement de récupération Windows. Sélectionnez Dépanner, puis sélectionnez Recovery Manager. Si vous possédez des fichiers sur le disque dur et que vous souhaitez les conserver, c'est le moment de les sauvegarder. Sélectionnez l'option Sauvegarder d'abord vos fichiers. Si vous ne sauvegardez pas vos fichiers, ils seront définitivement supprimés lors du processus de récupération. Sélectionnez Suivant. Sélectionnez l'option Sélection Auto pour que Recovery Manager identifie automatiquement les fichiers à sauvegarder. Vous pouvez également sélectionner l'option Choix de l'utilisateur pour choisir manuellement les fichiers et dossiers à sauvegarder. Sélectionnez Suivant. Sélectionnez les types de fichiers à sauvegarder puis sélectionnez Suivant. Recovery Manager identifie tous les fichiers à sauvegarder. Lorsqu'on vous demande de choisir à quel endroit vous souhaitez sélectionner la sauvegarde, insérez un disque USB ou un disque dur externe dans un port USB disponible de votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser un CD ou DVD vierge si votre ordinateur dispose d'un graveur. Sélectionnez le lecteur pour sauvegarder vos fichiers, puis sélectionnez Suivant. Sélectionnez Suivant pour copier vos fichiers de sauvegarde personnels vers le lecteur sélectionné. Les fichiers sont copiés vers le lecteur. Retirez le lecteur ou disque de sauvegarde de l'ordinateur. Sélectionnez Suivant. Une fois que les fichiers sont sauvegardés, sélectionnez Récupérer sans sauvegarder vos fichiers, puis sélectionnez Suivant. Sélectionnez Suivant. La récupération système efface tout le contenu du disque dur, puis restaure l'image d'usine d'origine du lecteur. Ceci comprend la réinstallation de tous les logiciels et pilotes présents à l'origine. La préparation de la récupération est terminée. Suivez les invites pour redémarrer l'ordinateur. Il se peut que la récupération du système installe les logiciels précédemment installés sur votre ordinateur. Lorsque l'installation du logiciel est terminée, l'ordinateur redémarre. Suivez les invites qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration de Windows. Une fois la configuration de Windows terminée, branchez tous les périphériques et câbles précédemment débranchés. Pour terminer la configuration de votre ordinateur, HP recommande de suivre les étapes restantes. D'abord, connectez votre ordinateur à Internet. Exécutez Windows Update pour obtenir les mises à jour et correctives de sécurité les plus récents pour votre ordinateur. Installez et configurez un logiciel de sécurité. Assurez-vous de mettre à jour ce logiciel afin de bénéficier de la version et des définitions de virus les plus récentes. Installez toutes les autres applications. Copiez vers votre ordinateur tous les fichiers de sauvegarde personnelle sauvegardés au cours du processus de récupération.